Allez, salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 5 déjà de l'île abandonnée saison 2. Allez, c'est parti, je charge la map. Donc on était en compagnie d'une colonie de tigres. Ils flottent. C'est nickel. Donc mon poiscaille a fini de cuire, j'ai pas mal de bouffe. Ça c'est plutôt cool. Et bien ce que je vais faire c'est que... Bon allez, je vais dormir. Je vais dormir un petit coup. Eh bien, ça fait déjà 5 jours aussi qu'on est sur l'île. Putain. Allez, ça commence très mal la journée là. Allez, on rush. Hop. J'ai pris des big cats là-haut là. On va aller les poser dans le coffre. Donc oui, il y avait quelqu'un qui m'a dit non, c'est ça date de longtemps hein, de creuser là-dessous, ça c'est pas assez louche, mais non. Je pense pas, c'est... Enfin, je pense pas. Peut-être. Donc voilà, big cat là-haut. Hop. J'en ai 9, ça me sert à rien, c'est cool. Ah, je vois qu'il y a de la canne à sucre là-bas, c'est très très bien ça. J'avais un bateau, hop, nickel. Bah, ce que je vous propose dans cet épisode 5, c'est qu'on va commencer les objectifs un peu plus sérieusement. Et donc je vais donc récolter cette canne à sucre et commencer à me faire un champ de canne à sucre. Et pourquoi pas un champ de blé, puisque j'en ai... pas mal. Donc hop, allez on sort. Donc j'en ai 2, c'est un début. Alors j'irai bien voir s'il n'y a pas... Ah mais non, c'est vrai, il y a le nether. Bon bah faudra que ça aussi que je trouve la porte du nether. Je pense que c'est dans le souterrain ou je ne sais pas. On découvrira ça ensemble. Allez, on va faire une petite expédition en bateau. De la laine, c'est bien, je la prendrai plus tard. Flemme de ressortir de mon bateau là. Pas de ressources en vue. J'irai bien. Aïe. Connard de renard. Ça rime. J'irai bien aller prendre du cactus là-bas. Et en même temps explorer un peu toute cette île. Parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion. Hop. Donc voilà, on va aller prendre. Hop, on va prendre du cactus pour bah pareil, pour faire nos cultivations là, nos plantations et voilà. Il y a des petites fleurs. Hop, on va prendre toujours pour l'ami imaginaire en laine. J'ai pas du tout de plan, je sais pas comment on va faire. Je pense que ça va être de l'improvisation totale et ça va être un truc bien moche. Vraiment sympa ce petit coin, j'adore, c'est super sympa. C'est super sympa. Aïe. Alors il y a du charbon, ça c'est cool. Hop. On va en prendre. Et ah bah. On va pas en prendre longtemps. Par où je peux descendre dans cette galerie? Ça va être chaud. Je suis full fer. Donc de toutes les manières, maintenant je pourrais m'aventurer dans les grottes sans trop de problèmes. Enfin si, mais non. Bref. Donc on va... Allez, je sais. Je sais, mais j'aimerais bien passer par là, moi. Alors... J'ai pas beaucoup de terre. Hop. On va se faire un petit stock de terre et de sable. Vous comprendrez pourquoi. J'ai essayé de me faire un escalier pour descendre dans la tour. Oui, je suis fou, je sais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc j'ai, voilà, 25, ça c'est nickel.
Alors, hop, 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 hop. Toi, je te récupérais en bas. Donc voilà, on va se faire un petit escalier. Hop. Donc j'y vois rien. Donc ma bouffe. Hop, voilà, je bouffe un petit coup pour ma vie et mon ma barre de miam miam. Ok, il y a déjà un creeper, c'est super. Alors j'ai cru comprendre. Donc ils m'ont quand même mis au jus parce que sinon j'étais dans la merde. Il y a des donjons à creeper. Et oui, je suis avec des créateurs de cartes complètement tarés. Allez, toi crève. Allez, bim. Voilà. Alors. Félicitations, mon cher Nixos, tu as fini la tour. Ah, non. On va éviter de lire ça tout de suite. Donc, il faut que j'aille en bas, au pied de la tour, pour trouver... Bah, l'entrée, tout simplement. Creeper, ouais, donc là, c'est obligé. Hop. C'est obligé, il y a un donjon à creeper. Trois creepers, là, c'est... pas possible autrement. Bon, là, je serai à peu près tranquille. On va boucher. Voilà, donc par là, je suis à peu près tranquille. Je pense que rien ne peut m'arriver dans le dos. Hop, voilà, j'ai tout éclairé. Voilà, là je pense que je suis sécurisé. J'ai déjà bien avancé. On voit qu'il y a pas mal de monstres là-bas. Alors ça, très très mal, très très mauvais. Je vais m'en débarrasser tout de suite. Puisque ça, quand ça... Hein, quand ça... Quand il fait nuit, ça se transforme en loup-garou. Pour les tuer, le plus avantageux, c'est une épée en or. Et je n'ai pas d'or. Donc on va éviter. Ouf, là-bas, je vois un filon de fer, c'est... De l'or. Alors ça, c'est super, c'est ce qu'il me faut. Bah je vais... De toute façon, va falloir que j'y descende, hein. Ça je pourrais pas y couper, c'est obligé. Donc allez, on va y aller. Hop, hop. Alors, comment je vais descendre? On va faire un petit escalier, hein. Comme j'ai fait juste avant. Sauf que là, ça me mène tout droit dans la lave, et c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Ah, j'ai plus de terre, putain. Bah, on va finir en cobble. Donc ça va être le pont d'extrême urgence. Donc, hop. Alors, ouf, un filon de fer. Hop. On va aller chercher tout ça. Hop. Donc voilà. Un petit filon, mais ça fait quand même du bien de se dire qu'on a un peu de fer. Bon, j'avoue qu'en extrême urgence, là, le pont, c'est pas la meilleure idée. Enfin, bref. Il est pas super facile d'accès rapidement. Hop, voilà. Là, je pourrais y aller sauter rapidement. Hop. Bon, là, vous allez peut-être dire que je gâche de la cobble et tout. Tant pis. Tant pis, j'ai envie de dire, je fais un truc qui me paraît nécessaire.
Je fais un pont d'extrême urgence, c'est-à-dire que quand je partirai de la tour, si je suis dans la mer totale, que je pourrai enjamber le pont à toute berzingue sans me soucier du décor. Et c'est ça que je veux faire, donc voilà. Hop, voilà, c'est ce que je voulais. C'est très très bien. Hop. Alors. Eh bien, on va. Merde. Il faudrait qu'on bouge tout ça assez rapidement. Et ben voilà. C'est nickel. C'est nickel. Hop. Et voilà. Bon, c'est pas si nickel que ça en fait. Là, c'est nickel. Non, ça c'était pas super nickel. Voilà. Je vais y arriver. Hop. Hop. Voilà. Hop. Nickel. Bon. J'espère que j'ai pas trop foutu des gros silences. J'étais concentré. Oh là là, ça a l'air de grouiller de monstres. Oh non. Maman, j'ai peur. Bon, on va commencer par un truc soft qui fait pas peur. On va récupérer du fer. Hein. Voilà. Déjà, ça sera pas mal. Hop. Donc voilà, parce que là j'ai un filon de fer assez énorme. Donc c'est plutôt cool. Notez que je n'ai pas encore fait exploser un creeper, ça c'est plutôt cool. Bon, il faisait pas nuit quand je les ai tués, donc bon, l'objectif tuer 3 creepers, bon, ça devrait aller ça. C'est pas celui où je m'inquiète le plus comme objectif. Hop, voilà. Bon. Alors. Alors, par où est l'entrée? Bon, déjà, je vais aller ch chercher l'or. Je vais chercher l'or. Vas-y, viens. Bah, viens. Crame-toi. J'ai pas peur, moi. Bah, voilà. Voilà. Alors, on veut jouer à la maline et voilà. Hop, 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 hop. Bon, alors là, va pas falloir que j'arrive à toute berzingue parce qu'avec la lave, je le sens mal. Alors, bon, allez, Osef. Indoor, ah ça c'est bâtard. Ça c'est bâtard. Oh putain, le flip, elle m'est arrivée sur la gueule cette conne. Donc je disais. Avant de partir, stock de torches. La bouffe, hop. Faut que je puisse switcher entre la bouffe rapidement. Oh putain. Oh là là. Putain, j'en étais sûr ça. J'en étais sûr. Putain, j'espère que je vous fous pas des gros silences là, désolé, mais je suis en stress. Là, je vous l'avouerai que ça commence à être chaud là. Allez, je rush.
Et que comme ça qu'on y arrive de toutes les manières. Hop. Hop, voilà. Bon. Allez, on éclaire par ici. Ah désolé, j'espère vraiment que je vous ai pas foutu des... J'ai pas parlé pendant longtemps. Mais là, c'est vrai que là, j'étais vraiment en stress, là. Il y a 50 donjons à côté de moi. C'est à peu près ça, le résumé, hein. Hop. Bon, Oh, putain de merde. Jamais être tranquille. J'ai pas l'impression qu'elle est par là, à l'entrée de la tour. Qu'on va aller de l'autre côté. Oh là là. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je sais pas si on va y aller tout de suite à la tour en fait. De toutes les manières, il est minuit 28, donc là... J'ai trouvé l'entrée. Allez, c'est parti. Ah mais... Allez, je les tape avec un steak. Ok. Premier étage sécurisé. Premier étage sécurisé. Alors là, on va... Voilà, on va faire un truc comme ça. Alors, vous allez peut-être pas comprendre du tout ce que je fais là, mais c'est pas grave. En gros, je fais un truc de secours. Quand je me barrerai en courant, j'ai rien qui m'arrivera en face. Donc, des coffres, ça c'est nickel. 3 de charbon, de l'armure, j'en ai déjà, et des sticks. On va se refaire des torches du coup. Hop, voilà. Et bah dis, je vais vous laisser parce que l'heure tourne. Donc je vais vous laisser, je bouffe un petit coup, voilà. Je vous dis à la prochaine où bah on va aller au deuxième étage. Et ça va être chaud, ça va être tendu. Mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. Allez, je vous dis à la prochaine, salut à tous.